Je rencontre les gens en individuel dans mon bureau suite à la référence de médecins, de collègues, de partenaires. Faut y aller. Ça peut aussi être quand le client demande de l'aide lui-même là, par le 811. La clientèle que je rencontre, c'est des gens qui vont avoir des difficultés psychologiques ou encore un diagnostic de santé mentale. Puis je les rencontre pour faire une évaluation de leurs besoins. Puis on s'entend ensuite là, sur des objectifs plus de psychothérapie. Comment ça vous fait sentir? J'aime vraiment beaucoup travailler pour le réseau de la santé, plus particulièrement pour le travail plus de collaboration qu'on a, soit avec nos collègues, départements de psychiatrie ou même les partenaires là, des organismes communautaires. Quand on a l'autorisation du client, on peut avoir des discussions entre nous pour vraiment assurer là, soit une continuité de service ou réajuster la médication rapidement, entre autres. Fait que j'aime bien travailler là, plus en collaboration. Ça permet aussi de prendre un peu plus de recul par rapport aux difficultés de la personne, de les voir avec une autre lunette. Ça nous permet de régulièrement ajuster nos interventions, de continuer de se développer toujours là, comme professionnel. C'est jamais redondant comme travail. Je me sens un peu privilégiée de pouvoir accompagner les gens dans un moment difficile de leur vie, par exemple, puis de partager avec eux plus un moment de vulnérabilité de leur vie, puis de les aider tranquillement à cheminer vers un mieux-être. Ça, c'est ma paye, là. C'est ce que je préfère de mon travail.